Alors, nous avons réuni en un seul tome les deux livres de Bardèche sur le sujet qui se sont succédés à très peu de temps, le deuxième ayant été écrit par rapport aux réactions sur le premier, à savoir Nuremberg ou la Terre promise et Nuremberg ou les faux monnayeurs. Voilà. Donc, un petit mot rapide sur Bardèche. Qui est Maurice Bardèche? C'était le beau-frère de Brasillach, qui, comme vous le savez, est l'écrivain français qui a été fusillé à la Libération, je crois que c'est le seul, pour ses écrits antisémites et sa collaboration. Le général de Gaulle a dit qu'il n'avait pas gracié parce que nous étions encore en guerre et qu'il avait vu dans le dossier la photographie de Brasillach en officier allemand. Or, il y avait bien dans le dossier une photographie d'un Français en officier allemand, mais c'était Doriot. Personne n'a plus revu ce document depuis près de 30 ans. Envoyé spécial du journal collaborationniste Je suis partout, Robert Brasillach est bien là, pas très à l'aise devant la caméra et en civil effectivement. Et Maurice Bardèche, qui était son beau-frère, qui est un littéraire, hein, lui, c'est un spécialiste de la littérature du 19e siècle, je crois qu'il a enseigné à la Sorbonne, s'est scandalisé en fait de l'épuration. Maurice Bardèche n'est pas du tout un écrivain militant à la fin de la guerre. C'est d'abord un écrivain littéraire. S'il n'y avait pas eu l'affaire Brasillach, Bardèche, et tout le monde le dit, est un écrivain qui avait certainement l'étoffe d'un académicien. On pouvait très bien voir un Maurice Bardèche vieillissant entrer à l'Académie française. Et toute sa vie, et il le dira toujours, je suis rentré en politique pour défendre la mémoire de celui qui était son plus grand ami et son beau-frère Brasillach. Ce qui lui a valu d'ailleurs d'être quand même très respecté, puisque on s'amusera peut-être à le mettre en post-production. Il était encore invité à la télévision, et même une fois face à Bernard-Henri Lévy, dans les années 80. Vous avez une phrase épouvantable où vous dites que sur le fond, Céline n'a pas tort, que simplement il exagère un peu, et qu'il aurait mieux fait de s'en tenir à l'hypothèse ou aux thèses de Brasillach ou de Maurras, qui avait un antisémitisme plus raisonnable. Si j'avais la liberté de parole, je serais probablement plus sévère pour Bagatelle, pour un massacre, que vous n'êtes vous-même. Parce que ce que je reproche à Céline, c'est de ne pas avoir vu la variété, la complexité du problème juif. Ce qui est intéressant, c'est qu'un type qui a écrit ce bouquin, qui était le beau-frère de Maurice de Brasillach, était encore invité dans les médias officiels dans les années 70-80 en France. Je suis intransigeant sur le révisionnisme. Parce que le révisionnisme, mon Dieu, c'est toute la littérature française. Le révisionnisme, c'est Voltaire, c'est Victor Hugo, c'est même Zola. C'est-à-dire qu'on faisait bien le distinguo entre la collaboration, un intellectuel qui réfléchit sur la collaboration mais qui n'a rien à se reprocher, alors qu'aujourd'hui, ça serait inconcevable. Ce qui est étrange, puisque plus on s'éloigne normalement d'une période de troubles et de conflits, plus normalement les consciences devraient s'apaiser. Vous trouvez que la France garde un fond d'antisémitisme? Je pense que oui. De ces années-là? Je pense qu'il y a un vieil antisémite qui persiste, et puis il y a un nouvel antisémitisme, quoi. Comme le disait aussi très justement Élie, la plupart du temps, quand on raconte ces phénomènes ou ces moments de l'histoire, on est toujours tourné vers la Shoah. Moi, j'avais envie de raconter ce qu'est la Shoah d'aujourd'hui. Cette violence, cette brutalité. Or, vous remarquerez que sur le sujet de la Deuxième Guerre mondiale et tout ce que ça englobe, c'est l'inverse. Plus on s'en éloigne, moins c'est déterminant pour la réalité actuelle, plus on en parle et plus le moralisme est violent, et puissant et vengeur. Est-ce que d'accepter d'être l'avocat de M. Soral est un acte de votre, part? Non, non, c'est la fidélité pure et simple à mon serment, que j'ai prêté. Oui. Vous auriez défendu Eichmann, Hitler, 6 millions de juifs de France ont été déportés, assassinés, et qu'aujourd'hui, M. Soral trouve que c'est pas assez. Faut qu'il se taise. C'est une remarque préalable à faire. Alors, venons-en au livre. Alors, Nuremberg ou la Terre promise, c'est une critique du procès de Nuremberg. Procès de Nuremberg, vous le savez, qui consiste à faire un tribunal des vainqueurs pour juger les vaincus, c'est-à-dire les nazis. Le 20 novembre 1945 s'ouvrait en Allemagne le procès de Nuremberg. Il n'avait pas suffi aux vainqueurs de vaincre par les armes, il leur fallait aussi vaincre par leurs droits. À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, en faisant des ennemis d'hier les oppresseurs économiques de l'Allemagne, avait permis à son peuple de se souder, de retrouver le chemin de la fierté en retrouvant celui de la prospérité, grâce à un système qui échappait aussi bien aux spéculateurs de Wall Street qu'au dirigisme soviétique.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il ne fallait pas refaire cette erreur, il fallait en finir avec ce peuple qui menaçait les visées hégémoniques des uns et des autres sur l'Europe. Il fallait l'avilir, lui donner pour longtemps la haine et la honte d'être lui-même. Alors les vainqueurs sont devenus les porte-paroles de la conscience universelle. Bardèche nous explique, comme le fait Carl Schmitt d'une autre manière, que c'est un changement radical du droit international et qu'on a changé de monde. C'est-à-dire que si on prend un exemple parlant, du temps de Napoléon, Napoléon était celui qui a, comment dirais-je, rivalisé avec toute l'Europe monarchique, qui s'est battu avec toute l'Europe monarchique, il a été vaincu, mais on l'a finalement mis à l'île d'Elbe. Il est quand même parti pour refaire les 100 jours et Waterloo. Bon, on l'a mis à Sainte-Hélène, mais il n'a pas été question de le juger sur le plan moral, ni de l'assassiner sous prétexte qu'il aurait mené une atteinte contre le bien. Or, ce qui s'est passé à Nuremberg, qui est encore au-delà du traité de Versailles, parce que c'est des médiations, c'est que les vainqueurs ont jugé les vaincus sur un droit qui ne respecte absolument pas les principes du droit romain qui se prolonge dans le droit, on va dire, européen de l'habeas corpus. C'est-à-dire les vainqueurs se définissent comme le bien, les vaincus comme ceux qui se sont attaqués au bien et qui méritent d'être châtiés à la fois physiquement, économiquement, moralement, c'est-à-dire sur tous les plans, c'est-à-dire qu'on les pend à la fin. Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler. Keitel, le chef d'état-major des armées d'Hitler. Kaltenbrunner, le chef de la police d'Hitler. Rosenberg, le théoricien d'Hitler. Frank, l'homme de main d'Hitler. Frick, le ministre de l'Intérieur d'Hitler. Streicher, le chantre d'Hitler. On les tue tous, hein? Voilà. Et intéressant aussi sur le procès de Nuremberg, c'est que il n'incombe pas l'accusation la charge de la preuve. Statut du tribunal de Nuremberg. Article 19. Le tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu'il estimera avoir une valeur probante. Article 21. Le tribunal n'exigera pas que soit apportée la preuve de fait de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. On n'a pas à prouver que l'autre est en faute. Il est en faute parce que c'est comme ça, c'est le jugement d'autorité. Et en fait, pour bien comprendre l'importance de Nuremberg, c'est que Nuremberg n'a pas seulement diabolisé et tué les responsables du national-socialisme, ça a entraîné derrière le tribunal pénal de La Haye, la mort de Milosevic, jugé pour son refus du démantèlement de la Yougoslavie après la chute de l'URSS et l'évolution des rapports Est-Ouest. Crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, Slobodan Milosevic répondra ici de 66 actes d'accusation couvrant une décennie de guerre dans les Balkans. Ça a entraîné toute la période actuelle qui va jusqu'au droit d'ingérence humanitaire et au devoir d'ingérence militaire d'un Kouchner. Bernard Kouchner se distingue en se prononçant en faveur de l'intervention américaine en Irak en 2003. Remplacer un régime dictatorial et assassin par une démocratie, ça ne peut que faire du bien par où ça passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quiconque chef d'État, donc on parle bien des États, ne se soumet pas au nouvel ordre mondial, est considéré comme un comploteur contre la paix mondiale et sera pourchassé jusqu'à la mort. Il faut bien comprendre tout ça. Et il y a des concepts qui sont nés à Nuremberg très importants, qui est le crime contre l'humanité, qui serait au-delà du crime de guerre. La troisième section de l'acte d'accusation est, comme la seconde, d'un type très classique. Il s'agit des crimes de guerre. Le tribunal se fonde ici sur un texte précis, les conventions de La Haye de 1907. Il appelle crime de guerre les actes commis par les belligérants en violation de ces conventions, qui règlent les méthodes que les États souverains ont reconnues comme conformes au droit de la guerre. Mais on découvrit très vite que le droit international promulgué ne permettrait pas d'atteindre des actes qu'on voulait faire payer aux Allemands. On inventa donc une qualification nouvelle, celle de crime contre l'humanité. Et ce grief servit de titre à la section 4e de l'acte d'accusation. Mais comme on ne savait pas très bien où finissaient les crimes de guerre et où commençaient les crimes contre l'humanité et comme, d'autre part,
on avait avantage à glisser sous une qualification incontestable des actes, qui dépendait en réalité de la qualification contestée, la troisième et la quatrième section furent constamment confondues. Et on comprend d'ailleurs que crime contre l'humanité, c'est quand on touche à une certaine humanité. Et ça permet surtout de déclarer que ceux qui ont touché à cette humanité, ça a beaucoup à voir avec la communauté des élus, tout ça a beaucoup à voir avec la vision vétérotestamentaire du monde. Car tu es un peuple saint, Yahvé, ton Dieu. Yahvé, ton Dieu, t'a choisi pour être son peuple particulier, parmi tous les peuples répandus sur la terre. Eh bien, quand on a touché à la domination de ces élus, on a produit un crime contre l'humanité, ce qui vous vaut d'être sorti vous-même de l'humanité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, on n'a plus de raison de vous traiter comme un humain, puisque vous avez porté atteinte à l'humanité. Ce qui veut dire en gros qu'on peut vous assassiner, assassiner vos enfants, vous pourchasser au-delà de toute prescription. L'ancien comptable du camp d'Auschwitz, Oskar Gröning, a été condamné à 4 ans de prison pour complicité dans le meurtre de 300 000 juifs. Âgé de 94 ans, le vieil homme a fait une dernière apparition pour l'énoncé du verdict. Le procès de Reinhold Hanning s'est ouvert à Detmold, en Allemagne. L'ancien gardien d'Auschwitz, âgé de 94 ans, est poursuivi pour complicité dans la mort d'au moins 170 000 personnes entre janvier 1943 et juin 1944. Il risque entre 3 et 15 ans de prison et son âge n'a aucune importance, répète le procureur. Tout ça, ça vient de Nuremberg. Hein. Et tout ça, c'est voulu par des gens qui n'ont pas une vision, je dirais, helléno-chrétienne du monde, qui était la vision européenne des temps anciens et jusqu'à 45. Donc les implications de Nuremberg sont très très importantes parce que c'est derrière, le régime national-socialiste, ce qui a été... ça a condamné potentiellement, virtuellement, tous les insoumis au nouvel ordre mondial. Hein. Nous aussi. Hein. Quand je suis condamné aujourd'hui par la justice française parce que je suis supposé avoir fait de l'humour noir sur Facebook et qu'en fait la trace n'y est pas, et que je suis condamné quand même, on est dans Nuremberg. C'est-à-dire que ce n'est plus au tribunal qu'incombe la charge de la preuve. C'est pas la peine. Parce qu'en fait, on se dit... Il aurait pu le dire, vous voyez, en gros. Donc s'il aurait pu le dire, c'est comme s'il l'avait dit... Ah si, écoutez, mais tout le monde l'a entendu. Ah ben il ne l'a peut-être pas dit, en tout cas tout le monde l'a entendu. Voilà, donc très important de lire ce bouquin, Nuremberg ou la Terre promise, Nuremberg ou les faux monnayeurs, d'autant plus qu'il ne vaut que 21 € pour 450 pages et que la couverture que nous devons une fois de plus à notre amie Marie est très belle. Hein. Et puis elle est très explicite, si vous voyez ce qu'il y a en bas et si vous vous rappelez ce que m'a coûté comme d'avoir fait un geste d'insoumission, donc un geste symbolique d'insoumission à un symbole, vous voyez ? Voilà. J'espère que j'en ai assez dit sur ce bouquin. Donc chez Contre-Culture pour 21 €. Voilà.